Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 26 octobre 2024. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Interview exclusive des comédiens du téléfilm tourné au Cato. Soirée remise de diplômes aux anciens collégiens. Le lycée a ouvert ses portes aux cordées de la réussite. Une formation au premier secours s'est tenue au Cato. Célébration des noces d'or de Monsieur et de Madame Lecouvet. L'événement incontournable du mois d'octobre, le concours d'animaux de boucherie, a eu lieu au marché aux bestiaux. Le conseil d'agglomération de la CA2C s'est tenu à Wallincourt. Et nous clôturerons ce journal par une campagne de prévention sur les arnaques financières. Si vous êtes de fidèles téléspectateurs, vous savez déjà qu'une fiction policière intitulée Meurtre en dentelle a posé ses caméras au Cato. La semaine dernière, vous avez pu découvrir l'interview du régisseur, David Laurent, et d'une comédienne, Agnès Ramy. Cette semaine, découvrez l'interview exclusive des acteurs principaux qui ne sont autres que Jean-Marc Barr et Camille Aguilar. Les caméras de Beffroi Vision se sont également glissées sur le plateau pour interviewer les figurants du téléfilm. Je laisse tout de suite la parole à l'incroyable François Capellier. Ça fait plaisir de te revoir sur le devant de la scène. Allez, en place. Moteur. 60 sur 6, troisième. Pour deux caméras. Et tout, autre chose. Cadré. Et action. C'est pour la convocation des fuistes. Tout le monde a répondu à l'appel, sauf un, Laurent Bonnet. Et il ne répond pas au téléphone. Monsieur Jean-Marc Barr, merci de répondre à nos quelques questions. Alors, J-2 de la fin du téléfilm, est-ce que vous avez un petit pincement au cœur? Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut célébrer, c'est que des fois, il y a la bonne choix de gens qui sont mis ensemble. Et dès le premier jour, ça a roulé vraiment superbe. Et donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir être avec des professionnels et accomplir une tâche comme ça, de faire un film en 4 semaines. C'est des fois c'est pas aussi simple et des fois c'est pas aussi agréable. Et donc c'est à cause du collectif. C'est ça. Exactement, la collectif, c'est quand t'es sur une bonne équipe de sport, tu as la même sensation que tout le monde est là pour tout le monde et bah ça remplit un petit peu le côté social qui nous manque dans la vie normale des fois. Comment on se prépare à être un capitaine de gendarmerie? Être acteur, surtout après 40 ans, c'est juste connaître son texte et connaître un peu la vie. Hein? Ouais. Mais vous avez peut-être quand même appris des trucs lors de ce tournage? Je crée une illusion. Et la beauté de ça, c'est de le créer sur le moment. Je me prépare, mais maintenant, après 40 ans de métier, je me laisse voler. Alors, on a une question. Qui est le meurtrier de ce téléfilm? Ah là, bah écoute, c'est la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Ciao. Allez, je prends une répétition. Bon, le moindre qu'on puisse dire, c'est que je suis bien entouré et je suis entouré de Xavier, de sa brigade, c'est bien ça. Vous avez quel grade? Alors, moi je pense que c'est celui de caporal, donc je ne suis pas le plus gradé. Voilà, là il y a un sergent, voilà, maréchal des logis, voilà, on a à peu près tous les mêmes grades, mais bon, c'est pas significatif pour l'épisode, quoi. Voilà. Justement, quel était votre rôle dans les épisodes, dans l'épisode, comme vous dites? Alors nous, on est figurant, on représente la brigade de gendarmerie, dont Jean-Marc Barr est le capitaine, quoi. Voilà. Et donc nous, bah voilà, c'est notre décor, c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu de travail, quoi. C'est là où on se retrouve toute la journée, voilà, pour l'enquête, quoi. Voilà. Alors,
comment devient-on figurant ? Alors, comment devient-on figurant ? Un gros coup de chance, j'ai envie de dire, des connaissances. Hein, voilà, moi, je suis comédien, mais aussi il y a Fanny, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, quoi, voilà. Et on est tous intermittents du spectacle, voilà. Et on prend du plaisir à m'y retourner, à faire aussi nos heures, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi, voilà. Et puis, à prendre du plaisir à venir voir des acteurs jouer et puis se retrouver au sein d'un film, d'une création télévisuelle qui est de bonne qualité. Quoi. Voilà. Et même au niveau de la figuration, on apprend des autres, enfin, c'est-à-dire des grands comédiens, bon, Jean-Marc Barr, Camille Aguilar. Mais je crois qu'on apprend toujours, de toute façon, dans ces métiers-là. Il n'y a jamais de choses qui sont, je dirais, statiques, ça évolue tout le temps. Quoi. Et même entre nous, on est très solidaires, on est attentifs, on prévient quand les autres ne sont pas là, etc. On ne fait pas de bruit, on sort, enfin voilà. On est, voilà, on fait notre boulot tout en étant assez discret, finalement. Voilà. Et donc, le bilan du boulot ? Le bilan du boulot, c'est vraiment un bon moment, quoi. On passe un bon moment, c'est des longues journées, mais on est entre gens très sympathiques, très intéressants, on échange tout le temps. On se marre bien aussi, parce qu'il y a des moments... Il faut le dire, il y a des moments où c'est quand même assez folklorique, quoi, voilà. Et puis, voilà, puis on prend du plaisir à faire ça, quoi, voilà. Il est efficace. Bah, c'est comme tu veux, c'est ou le début ou la fin ? Bah, la fin. La fin ? D'accord. De là-bas, de où est de là ? De là, donc on fait juste le geste de fin et sortie de champ. Ok, donc du coup, oui. Oui. Bonjour Camille, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ah, comment je me présenter ? Ah, je m'appelle Camille Aguilar et je suis comédienne depuis 10 ans. 10 ans déjà ? Mais vous êtes toute jeune et vous êtes le premier rôle de ce téléfilm. Oui, avec Jean-Marc Barr aussi. Il y a Julien Crampon, Anne-Hélène, et voilà, on est pas mal. Alors, on est à J-2, c'est ça, de la fin du tournage. Un petit pincement au cœur. Oui, ça me sert beaucoup le cœur, j'avoue. Mais il nous reste, là on est en fin de journée et il nous reste demain, voilà. Mais ça me sert le cœur parce que c'était vraiment une belle aventure avec une équipe formidable, vraiment. Et une réalisatrice formidable également. Oui, après Formidable, on peut dire plein de choses. Alors, parce que dans Formidable, quand je pense à elle, je pense à humaine, je pense à sincère, je pense à très juste, je pense à drôle, avec un grand cœur, très généreuse, passionnée, en équipe. Non, j'ai beaucoup appris d'elle et du coup de toute l'équipe, parce que l'équipe ressemble beaucoup à la réalisatrice aussi. Donc c'est chouette. Vous êtes à votre deuxième meurtre. Vous avez fait Meurtre à Toulouse et Meurtre en dentelle, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux meurtres ? Vous étiez plutôt jeune comédienne à cette époque-là. Et puis là, confirmé, c'est ça ? Alors, dans l'histoire de Meurtre à Toulouse, elle sort de l'école. Donc oui, c'est ça. Dans le rôle, c'est différent. C'était pas la même dynamique. Et dans le Meurtre en dentelle, mon personnage est déjà plutôt... ça doit faire 4 ans qu'elle travaille. Et elle se retrouve en plus aujourd'hui avec son père. Donc c'est pas le même duo. L'autre était un duo plus d'enfants et donneur... J'allais dire donneur de leçons, mais en face de quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience. Donc elle apprenait énormément de lui. Et là, ils apprennent ensemble. C'est pas la même dynamique, c'est ça que je veux dire. C'est une dynamique beaucoup plus... ce personnage-là, Lola, elle a plus d'expérience. Elle a un côté un peu madame, je sais tout. Et son père et son expérience et sa bienveillance lui apprennent à s'ouvrir un peu, à réaliser qu'il y a plein de choses qu'elle doit apprendre. Ça parle aussi d'ego. De ce côté à elle, c'est comme ça aussi que je l'ai compris. Mais pas dans le mauvais sens. Elle n'est pas là pour écraser, mais il y a un côté... quand on sort d'école, on a appris beaucoup, on a l'impression qu'on sait plein de choses et tellement qu'on a raison. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle a tort sur plein de choses. Et c'est chouette, ça l'a fait grandir, mais grâce à son père. Vous parlez de grandir. Est-ce que, au niveau acting, vous avez appris des trucs, des choses, lors de ce tournage ? Complètement. Mais ça, en fait, j'ai eu des rappels. Il y a plein de choses qu'on apprend. C'est comme la première fois qu'on fait de la cuisine à un plat et on donne des ingrédients. Et donc, à bout d'un moment, à force de faire le même plat, on apprend et puis on rajoute nos mêmes choses à nous. Ah, bah tiens, je vais mettre un peu plus de gingembre, j'en ai jamais fait, mais je vais prendre des. Et ben là, c'est pareil. Et j'ai l'impression de. J'ai vraiment l'impression d'être passé en master de jeu, quoi. Mais. Que j'ai que continué d'apprendre encore plus ce qu'on en pratique, ce qu'on nous dit. Mais quand on le vit, c'est pas pareil. J'ai l'impression de m'être imprégnée, c'est ça que je veux dire. De certaines leçons d'école, mais qui sont plus d'école et qui sont de vie, ce qui se mélange à nous, la réalisatrice, même l'impact de chaque pôle.
À force de faire la même chose, pas faire la même chose, mais tous les jours on va au HMC, et, par exemple, et en fait à être plus observatrice qu'actrice, j'ai appris beaucoup de chaque pôle. J'ai dit, ah tiens, c'est marrant. Et en fait, ça apporte pour son propre travail. Et parfois, j'ai peut-être pas eu assez le temps, parce que bah, quand on a un rôle principal, on est là tous les jours. Donc, ça a été une des conditions qui, ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre un ensemble que parfois, j'ai pas eu le temps ou même l'intérêt, parce que j'étais peut-être trop auto-centrée, pour comprendre le pôle des autres, à quel point ça importe, enfin, ça impacte sur le nôtre, sur notre travail à nous. D'accord. Comment avez-vous rejoint l'aventure, en fait ? Tout simplement parce que ce projet est arrivé, la productrice connaissait aussi mon agent, lecture de scénario, Jean-Marc je le connaissais pas encore, en tout cas personnellement, je connaissais le comédien mais je connaissais pas la personne, et Adeline non plus, je connaissais son travail, j'avais déjà vu mais je connaissais pas tout, donc on nous met tous en lien et puis on fait oui, allons-y. Dernière question, quels sont vos projets ? Alors là, après ce film-là, je pars la semaine prochaine tourner. Je ne sais pas si vous connaissez la série Vestiaire. Oui, avec des handicapés. Exactement. Et ben, donc maintenant, les films d'Alain Vallon produisent une sorte de, j'allais dire, pas deuxième, comment dire, c'est pas un tome 2, mais c'est une série qui traite des valides et des handicapés qui vivent dans un immeuble partagé. Donc c'est des pastilles humoristiques qui parlent, qui se traitent autour du handicap et tout le questionnement du handicap face à des valides et entre eux aussi. Donc c'est hyper, hyper intéressant et c'est surligné de comédie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Oh là là, du bonheur. Alors là-dedans, on va dire plein de choses. J'espère continuer de travailler avec. Vraiment, je me l'envoie. Travailler avec des gens aussi passionnés et intéressants, qu'Adeline et toute l'équipe avec elle, qui est avec elle, et des thèmes, des personnages pleins de contradictions. Et vraiment d'être dans ce partage, parce que sur ce tournage-là, il y a vraiment beaucoup de. C'est fini. Beaucoup de partage. Humain, et je pense que c'est ça qu'on raconte dans les histoires. Et avec de la bienveillance et de la gentillesse, je pense que ça passe mieux. On n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Et c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Camille. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Nel, viens voir. Nel, c'est ton dernier plan. Sortie du téléfilm prévu en 2025 à suivre sur les antennes de France Télévisions. Dans un tout autre registre maintenant, les anciens élèves de 3e du collège Jean Rostand se sont réunis au théâtre René Ledieu pour leur remise de diplôme. C'est Madame la principale, Laurence Cédon, qui a orchestré cette cérémonie avec beaucoup de fierté et de joie de revoir ses anciens collégiens. Cette soirée a également permis à Madame Cédon de remettre le prix de l'éducation à la citoyenneté, qui récompense l'implication des jeunes au vivre ensemble, ainsi que leur rôle dans la société, aussi bien dans leur vie quotidienne qu'au sein de leur établissement scolaire. C'est traditionnel, une remise des diplômes républicains dans la salle municipale. Merci à Serge Chiméon, le maire de la ville du Cateau-Cambrésis, de nous prêter gracieusement ce beau théâtre René Ledieu. Vous entendez le brouhaha derrière. On a près de 200 familles qui sont présentes. Sur les 200, on a plus de 120 mentions. 40 très bien, 50 bien et 32 assez bien. C'est plus qu'un élève sur deux. On est à 88% de réussite au diplôme national du brevet, toute option confondue. Moi, je suis très heureuse d'accueillir les parents, les élèves, ils sont très heureux. Ce n'est pas une fête, c'est une cérémonie qui prouve que quand on passe des épreuves, qu'on est fier de passer les épreuves et de réussir, on a un diplôme et ça donne un encouragement pour l'avenir et le futur que l'on crée ensemble dans nos localités. Et c'est plein d'optimisme que je vais entamer la cérémonie de ce soir avec la Marseillaise, qui a été écrite par Rouget de Lisle en 1792. Bon, certes à Strasbourg, mais c'est national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est
Je voudrais féliciter mes professeurs de 3e parce que l'Ordre national du mérite leur a donné un premier prix national de citoyenneté à Madame Lalanne, qui développe la santé, l'hygiène de vie, la zénitude par le yoga et qui fait grand bien à nos élèves et qui les éduque donc dans l'éducation à la santé. Uniquement les 3e avec les 4e. Ce sont une classe de 3e, c'était les Mutola, qui deviennent des ambassadeurs auprès de tous leurs élèves, leurs camarades plutôt, de 4e et de 3e sur 2 demi-journées. Alors il y a une marche de 5 km, chacun à son rythme. Il y a des ateliers pour apprendre à petit déjeuner le matin, équilibrer les repas, vous savez, les glucides, protides, etc., et protéines, et être bien dans son corps, c'est important. Partons maintenant au lycée qui a ouvert ses portes aux Cordées de la Réussite. Les Cordées de la Réussite visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier d'égalité des chances. Elles ont pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est donc M. Philippe Carlier qui est venu parler du métier d'ingénieur et présenter l'Institut national des sciences appliquées des Hauts-de-France au lycée Indicato. Alors aujourd'hui, on avait la réunion de présentation des Cordées INSA pour les élèves de seconde, première et terminale qui ont été, entre guillemets, sélectionnés pour faire partie des Cordées. Alors bonjour, je suis Philippe Carlier, je suis chargé opérationnel au centre Gaston Berger de l'INSA Hauts-de-France. L'INSA Hauts-de-France fait partie du groupe INSA, qui est un regroupement de 7 écoles d'ingénieurs à la base. Bien qu'il y ait une particularité avec l'INSA Hauts-de-France où nous avons à la fois des diplômes d'ingénieurs, mais aussi des licences et des masters dans nos formations. Voilà, et on est ce qu'on appelle tête de cordée, c'est-à-dire qu'on entraîne derrière nous des lycéens et des collégiens pour les inciter à devenir étudiants plus tard et à choisir des études qui les intéressent surtout. Alors, c'est un programme par niveau. On démarre au collège, généralement en 3e, où il y a des visites du campus de l'INSA Hauts-de-France, mais aussi de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, vu qu'on partage le même territoire. Et puis, on organise des sorties, alors des sorties culturelles, mais aussi des sorties scientifiques par moment. On organise aussi des séminaires avec les jeunes, avec des ateliers. On organise, par exemple, pour les élèves de première, pour leur donner les codes, un petit peu, les codes sociaux, on les invite dans un restaurant semi-gastronomique, par exemple, pour leur donner les codes si, dans leur future activité professionnelle, ils devaient être invités dans ce genre de restaurant. On a aussi des journées plus récréatives, ce qu'on appelle la journée pour tous, qui est une journée où collégiens et lycéens se retrouvent tous ensemble dans un lieu donné du territoire. On essaie de changer tous les ans. On espère que l'année prochaine, ce sera d'ailleurs à Le Cato. Là, pour l'instant, on est sur le Valenciennois. On avait été dans l'Avesnois aussi, à Maubeuge. Voilà. Et le but, c'est de faire découvrir le territoire et en même temps de proposer des activités à la fois culturelles et on va dire, ludiques aux jeunes. Alors les entreprises, c'est au cas par cas, ça dépend des lycées. Si un lycée souhaite, dans le cadre d'un projet particulier, parce qu'il y a aussi un petit peu d'ouverture là-dessus, on peut effectivement laisser les personnes aller visiter une entreprise. Même des collégiens d'ailleurs, parfois, ils peuvent aller visiter l'entreprise Alstom s'ils ne sont pas très loin, etc. Ça permet d'ouvrir le lycée sur le supérieur et de montrer aux élèves que Valenciennes, c'est pas très loin. Et on n'est pas obligé de rester au Cato pour le supérieur, on peut aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. C'est une belle aventure, hein, les Cordées, puisque c'est vraiment une chaîne où on travaille tous ensemble, les établissements du secondaire, les établissements du supérieur, et en même temps, c'est des projets à la fois nationaux et régionaux, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire découvrir plein de choses aux jeunes
qui peut-être n'auraient pas eu d'eux-mêmes l'envie de le faire. Vous vous êtes déjà demandé comment intervenir si quelqu'un faisait un malaise devant vous ? Pour le savoir, vous pouvez vous inscrire à une formation d'une journée qui vous permettra d'apprendre les gestes simples à travers des mises en situation, comme par exemple comment prévenir les secours, protéger une victime ou encore quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours. Cette formation nous rappelle ô combien il est important de connaître les gestes du citoyen lorsqu'un accident survient. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jérémy Potier. C'est une formation d'une journée, donc 7 heures, qui permet de sensibiliser, de comprendre les gestes de premier secours et de donner l'importance aux gestes du citoyen, qui est une chose très importante et auquel on doit justement venir tous les jours pour tout le monde. Il me le dit. Remplacez vos électrodes. Ici. Et là, j'ai mis mes électrodes sur la poitrine de la personne. Et qu'est-ce que je dois faire aussi ? Remettez vos électrodes sur le papier. Donc là, j'ai mis les électrodes. Remplacez vos électrodes. Et là, je viens mettre, hop. Analyse du rythme cardiaque en cours. Et là, il y a l'analyse voir si un rythme cardiaque. Pas toucher le papier. Alors, ils apprennent aussi bien le massage cardiaque que le défibrillateur automatique. Et aussi les cas de saignement ou aussi de malaise, mais également aussi les brûlures. Il y a tout un panel justement pour savoir remédier et aussi savoir appeler les secours. Alors par exemple, j'ai une brûlure, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors ça dépend le caractère de la brûlure, mais justement, généralement, il faut déjà isoler, se protéger la personne. On va dire que c'est le premier pas à faire. Donc protéger la personne, ensuite après il faut nous appeler. Et ensuite après il faut faire les premiers gestes de secouriste. Donc là, on va dire, on va mouiller, on va arroser la plaie pour justement éviter que la brûlure s'étende sur le bras, par exemple. Et ici, donc, il y avait une séance de défibrillateur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement et à quoi ça sert ? Bah, le défibrillateur va justement permettre à relancer le cœur, à rebooster le cœur, faire un reset. Et il va nous permettre d'accentuer l'espérance de vie de la personne et permettre justement, ensuite, avec le massage cardiaque qu'on apprend, permettre que le cœur reprenne un rythme normal. Alors depuis ce matin, donc, vous avez toutes ces personnes devant vous, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils agissent bien et ils retiennent bien ? Ah oui, j'ai un très bon groupe et justement c'est très actif. Et il y a aussi pas mal de gens, donc ça va de tout âge, ça va d'une soixantaine d'années à 13 ans. Et justement c'est bien, ça ouvre sur pas mal de choses et les discours sont différents et sont très, très constructifs. Alors, quelles sont principalement les questions qui vous le posent ? Ah, c'est des questions, justement, on a toujours un peu peur de faire mal aux gens ou d'entreprendre des choses. À savoir, c'est qu'on peut justement, tout geste est bon à prendre. Et toutes les choses sont bonnes à prendre pour aider le citoyen. Et comme je vous ai dit, le premier pas, c'est la protection. Rien que déjà de protéger la personne et de se protéger soi, eh ben déjà, c'est du rôle du citoyen et du PSCA. Ben on peut peut-être rappeler les numéros importants pour secourir. Oui, alors donc on a le 18, les pompiers, le 15, le SAMU, le 17, la gendarmerie. Tout ça avec le numéro européen, le numéro 112, qui regroupe les trois. Et aussi le numéro 114, qui permet justement aux malentendants et aux voyants de pouvoir contacter les secours. Donc en dehors de cette journée, y est-il possible d'apprendre le secourisme tout le temps ? Alors après, oui, c'est un PSC1, donc il n'y a pas de renouvellement, mais par contre, j'invite les gens à continuer à refaire leur formation, parce que le secourisme, ça bouge beaucoup, ça change beaucoup, et ça fait toujours du bien de faire des gestes de premier secours. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire, et puis parfaire après leur formation, justement, peut-être en étant pompier aussi volontaire, pourquoi pas. Voilà. Alors donc, pour apprendre le secourisme, il faut s'adresser auprès des casernes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors vous pouvez justement vous adresser auprès des casernes ou alors à l'UDSP de formation, l'UDSP sapeur-pompier de 59, et vous allez pouvoir vous mettre dans des créneaux pour pouvoir passer les PSC1. Monsieur et Madame Lecouvet se sont unis une nouvelle fois à la mairie afin de célébrer leurs noces d'or. Les noces d'or symbolisent un demi-siècle de vie commune. Autant vous dire que dans la liste des anniversaires de mariage, celui-ci ne se passe pas d'applaudissements. Ces deux cathésiens ont donc profité de l'occasion pour renouveler leurs vœux et passer un moment convivial entouré de leur famille et de leurs amis. L'équipe de Beffroi Vision attend avec impatience d'immortaliser vos noces d'eau. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre bel hôtel de ville
afin de célébrer les noces d'or d'Ariane et de Joël. Je remercie mes collègues d'être présents parmi nous, en venus aussi en nombre. 50 ans, ce n'est pas rien. Vous avez résisté aux épreuves du temps et je vous félicite pour ce beau parcours. Vous êtes un couple connu au Cateau, puisque toi, Joël, tu as été président du club de moto et maintenant tu t'investis au Conseil des Sages, dont je suis la présidente, et non, pas présidente, je suis l'élu qui est responsable, Michel qui est président. Et merci encore pour ton aide de ce week-end pour la foire, parce que c'est vrai que c'est pas de tout repos. Alors, j'espère que vous garderez encore longtemps votre dynamisme et je vous souhaite encore beaucoup de bonheur tous les deux. Alors, mes chers amis, vous avez traversé 50 ans de vie conjugale avec une sérénité qui est un exemple. Vos promesses échangées ont été tenues. Il nous semble que la jeunesse qui présidait à votre mariage s'est maintenue, que votre affection n'a pas faibli. Nous savons bien que vous avez eu votre part d'épreuves, de difficultés, mais on vous retrouve stable, toujours attentif à vous rendre heureux mutuellement. On voudrait que chaque couple soit comme le vôtre, tendre et solide, confiant et souriant. Aujourd'hui, nous allons renouveler les vœux formulés voici 50 ans. Ariane, désirez-vous continuer cette longue route qu'est la vie avec Joël à vos côtés? Oui. Bien. Et vous, Joël? Je vois. Désirez-vous accompagner Ariane sur ce même chemin? Oui. Un petit moment de réflexion, mais bon, c'est bon. Eh bien, nous vous souhaitons encore beaucoup d'années heureuses ensemble. Merci. Merci. Je vais vous remercier. Eh bien, encore toutes mes félicitations à tous les deux. Merci. Je suis toujours un peu ému quand j'assiste à des noces d'or. J'ai pu remarier mes parents. Oh, c'est-à-dire qu'on a pu faire les noces d'or de mes parents, ici même, il y a déjà quelques années. Donc c'est toujours assez émouvant. Donc bonne continuation. Félicitations. Puis que rajouter de plus que vous souhaitez encore plein de bonheur ensemble, encore des décennies. Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. C'est compliqué. À part franchement félicitations. Et quand on est élu, vous ne pouvez même pas imaginer le bonheur qu'on a à célébrer ces cérémonies. Parce qu'on pense que nos successeurs dans 20 ans, ils n'en font peut-être pas beaucoup de ces cérémonies. Et nous, on a la chance, c'est vrai, depuis un moment d'en faire. On en fait pas mal. Et donc c'est vraiment fierté parce que c'est assez agréable de voir que les couples ont réussi à durer pour qu'on attend ce dernier. Je vous donne juste rendez-vous dans 50. Voilà. Comme chaque année, à l'occasion de la fête de la Toussaint, le concours des animaux de boucherie s'est tenu au marché aux bestiaux. C'est un événement incontournable pour les éleveurs et les amateurs de bovins. Éleveurs et élus se sont donc retrouvés pour cette manifestation qui fait l'éloge de la viande de qualité issue de notre territoire. Alors aujourd'hui, concours de la Toussaint, donc 3 semaines avant les fêtes, enfin avant la fête de la Toussaint, donc concours d'animaux de boucherie, on a 190 animaux aujourd'hui, toutes races, on a toujours la Blanc-Bleu qui est fort présent ici, la Parthenaise, la Blonde d'Aquitaine et la Charolaise. Alors nous on juge différentes bêtes alors par rapport à leur race, par rapport si c'est une génisse, une vache, et puis après nous ce qu'on regarde c'est l'état d'engraissement. Alors une bête, il faut qu'elle soit bien engraissée, puis il faut aussi qu'elle ait une bonne conformation. Bah écoutez, c'est à chaque fois des retrouvailles avec le monde agricole et le monde de l'élevage, donc ça c'est important, en tout cas important pour le canton du Cateau-Cambrésis, puisque nous sommes un canton très rural, et puis c'est aussi l'occasion de voir en fait ces belles bêtes, comme on dit, de plusieurs races, racées évidemment, et puis également de voir les personnes et les acheteurs qui vont pouvoir mettre en bouche ces bêtes pour le public en général, et ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche du marché aux bestiaux et de l'association présidée par Alexandre Regnault, c'est justement de mettre en valeur tout ce travail et aussi la qualité de l'élevage, parce que ce sont des normes, comme on sait, qui peuvent être drastiques. Ce sont aussi de la nourriture et l'alimentation des bêtes qui doit être au millimètre près. Et puis, c'est aussi la rencontre avec cette tradition, j'ai envie de dire, parce qu'on a fait survivre en tout cas, et maintenant il vit bien
voit monsieur le maire qui arrive et donc on est ravis. En tout cas, on a monsieur le maire en association a réussi à faire survivre et à faire vivre ce marché. Aujourd'hui, il est une plus-value pour le territoire au nord de Paris et ça, c'est très très important. Et puis, on voit aussi que ça intéresse beaucoup les habitants du Cateau et des environs parce que c'est toujours une belle fête où il y a le plaisir partagé, en tout cas, des familles de voir les animaux. C'est un grand bonheur pour moi d'être là aujourd'hui au marché à bestiaux du Cateau, invité par les organisateurs. Merci encore. Et je suis vraiment très content d'être ici parce que je ne connaissais pas le fonctionnement et j'ai pu voir le jury à l'œuvre, les jurys qui vont décerner les prix des meilleurs bovins. Donc merci encore et nous avons à côté monsieur le maire du Cateau. Je laisse la parole. Saluer bien entendu cette manifestation traditionnelle qui a lieu plusieurs fois dans l'année et ce concours dit de la Toussaint. Saluer surtout les organisateurs parce que dans le contexte actuel, il faut maintenir ce cap de l'élevage. Monsieur le sous-préfet, je crois que depuis que je suis maire, c'est-à-dire depuis 2001, vous êtes le seul qui est venu non pas au marché, mais qui est venu tôt le matin être membre du jury. Et votre présence rassure aussi une capacité d'écoute au niveau de l'arrondissement, mais au niveau de la préfecture. Et je sais aussi que monsieur le préfet avait prévu de venir un peu plus tard comme moi. Hein, mais malheureusement, il y a un déplacement ministériel. En tout cas, je vois que vous avez un habit qui vous sied bien, une canne ou un bâton. Ils vous ont gâté, les marchands de bêtes. Alors, le marché aux bestiaux, dans le contexte actuel, c'est le dernier en Hauts-de-France. Et heureusement qu'on a des gens dynamiques comme la famille Aignot et beaucoup d'autres qui défendent ce terroir, cette richesse. Tout partout, il y a d'énormes problèmes. Tout le monde a rejeté plus ou moins les éleveurs. Au Cateau, c'est l'inverse qui s'est produit parce qu'on est lié à l'histoire, à l'élevage, à la protection dans le monde agricole. Et quand quelquefois il nous arrive de parler du monde agricole, même certains agriculteurs sont assez réticents sur les problématiques liées à l'élevage. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a des périodes... Une période difficile avec la fièvre catarrhale qui sévit un peu, qui empêche des déplacements d'animaux, qui touche aussi certains animaux. Mais quoi qu'il en soit, ce marché aux bestiaux, il est tenu de façon exemplaire par deux associations qui gèrent. Nous, la ville, on y croit. On a mis à disposition tous ces locaux. On ne touche pas, je rassure, de foncier bâti, puisqu'on est propriétaire. J'ai entendu tout dire dans des réunions. On ne touche pas de CVAE, l'équivalent de taxe professionnelle, parce qu'on touche à une activité du monde rural. Donc on prend à charge tous les coûts liés à l'investissement. Les deux associations s'occupent avec efficience à gérer les équilibres de fonctionnement. Encore une fois, merci à vous tous. Merci surtout et votre présence encourage les éleveurs. Et je sais que vous les avez reçus il n'y a pas longtemps dans votre bureau, monsieur le sous-préfet. Et surtout, merci à l'État d'être présent, au département avec Sylvie qui est toujours là, la région, à l'Assemblée plénière, on a parlé des problèmes liés à la fièvre catarrhale. Et puis, je pense qu'il faut être soudé pour défendre non pas notre territoire, mais pour défendre la culture de l'élevage dans les Hauts-de-France. Merci à vous. Alors, la prochaine date, le 7 décembre, ça sera le concours de Noël. Voilà, donc une belle représentation encore. Il y aura un peu plus d'animaux parce que les animaux sur Noël ont une grosse demande. Les boucheries sont demandeurs sur les fêtes de Noël. Le conseil d'agglomération s'est tenu à Wallincourt. Les thèmes abordés étaient les suivants. Acquisition d'un tracteur pour les brigades, construction d'une crèche à Wallincourt, poursuite de l'installation des éclairages LED, aide au permis de conduire, subvention aux entreprises et enfin évocation de la loi zéro artificialisation nette des sols. Découvrez également un entretien exclusif avec M. Alexandre Basquin, vice-président du conseil d'agglomération et maire d'Avesnes-les-Aubert, qui prendra une nouvelle fonction en tant que sénateur au Palais du Luxembourg dès le mois de novembre. Je laisse tout de suite la parole à Bruno Villain et à M. le maire Serge Siméon. Alors, Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à Wallincourt. Enfin, pas exactement à Wallincourt, parce que la commune de Wallincourt, elle est composée de villages. Oui, elle est composée. C'est une association des années 1970, si j'ai bien écouté Monsieur le 12. C'est Wallincourt-Selvigny. C'est la fusion de deux communes rurales pour former une seule entité, un peu plus de 2100 habitants. Alors ici, on est à Selvigny, finalement. On est à la salle des fêtes de Selvigny.
puisque la salle de Wanincourt est en travaux et en reconstruction un peu complète. C'est des travaux lourds et conséquents, et monsieur le maire avait proposé de venir ici. Alors, lors de cette réunion, il y a eu beaucoup de points à l'ordre du jour. Des petits points qui m'ont semblé importants, vous avez commencé par parler du matériel pour les brigades. Acheter un tracteur, ça sert pour toutes les communes. L'équipe des brigades, en grande partie, sert pour 44 communes. En général, ils interviennent très peu sur Caudry et Le Cateau. C'est essentiellement pour les communes rurales. Donc, en début d'année, on avait acheté un tracteur, c'est nos brigades vertes et du patrimoine. Et là, un autre tracteur était défaillant, on a dû racheter un grand tracteur. Vous savez, c'est de temps en temps pour faire les talus, on a consulté et on l'a attribué à peu près à 110 000 euros le tracteur. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup, et puis après, il ne faut pas oublier que notre personnel qui travaille dans les espaces verts, les brigades, le patrimoine et autres, il faut aussi lui donner d'autres équipements, d'autres outils que ça, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, vous avez même voté pour des protections individuelles. C'est la loi. Il faut que nos personnels soient en situation d'être protégés dans le cadre de leur travail. C'est les aspects réglementaires et on subit aussi des contrôles. Il n'y a pas que les entreprises qui subissent des contrôles. Les collectivités locales aussi. C'est justifié. Alors, en étant à Wanincourt, vous avez indiqué qu'il y avait des travaux de crèche pour une somme qui est quand même assez impressionnante, 789 000 euros, mais qui est subventionnée à 60%. Oui, alors ici, on a une crèche qui fonctionne pour plusieurs communes autour de Wanincourt, 11 communes. Et la crèche était dans un bâtiment à étage, pas du tout fonctionnel, très dangereux pour les enfants. Donc, je m'étais engagé auprès de monsieur le maire de Wanincourt de réfléchir à créer un nouveau bâtiment au lieu de reconstruire dans le bâtiment ancien, ça coûterait plus cher. Donc, on a fait une consultation, on a trouvé un bâtiment un peu plus de 780 000. Alors, on a une participation de l'aglo qui va représenter un tiers, le reste, c'est des subventions. On aurait pu ne avoir encore plus bas, sauf que les VRD, les voiries, tout ça, c'est à charge de l'aglo, c'est hors subvention. Mais c'est déjà pas mal d'avoir 60% de subvention. Alors, autre point, maintenance de l'éclairage. Apparemment, il y a encore des villages et une partie de Caudry qui n'est pas encore équipée de LED. Oui, alors il nous reste 4 villages et une partie de la ville de Caudry qui ne sont pas tout en LED. Mais ça, on le fait nous-mêmes avec nos brigades d'électricité. On a 2 nacelles, on a 5 agents et ils tournent, ils font les réparations et quand ils peuvent, ils continuent à étendre, à refaire des candélabres, à retirer des fils. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui se fait de tout temps, quel que soit qui pleut, qui vente, mais on fait progressivement. Si on faisait venir les entreprises, ça coûterait plus cher et puis on aurait 5 salariés au chômage. Alors, autre sujet qui va intéresser nos auditeurs, c'est l'aide au permis. L'aide au permis, finalement, il y a eu plus de 70 dossiers qui ont été acceptés. Alors, vous pouvez redonner un petit peu les règles? Les règles, il y a des conditions d'âge, d'inscription à l'école de conduite et de fournir le code de conduite. Et puis, c'est des règles faciles, c'est sur le site. C'est 17-25 ans. 17-25 ans. Il faut passer le permis dans une auto-école, du l'aglo et vivre dans une commune de l'aglo. On peut, par exemple, habiter Caudry et après, au cours du permis, venir au Cateau. L'aide au permis sera toujours accordée, mais l'aide, c'est quand même un apport de 300 euros que l'aglo verse, qui vient éventuellement s'ajouter avec l'aide de la commune. Nous, au Cateau, on est une des communes qui versons le plus, on verse 500 euros. Et puis, pour certains, il peut y avoir une aide de la région pour les apprentis qui a une bonne prise en charge. Et pour l'instant, il y a eu combien de cathésiens qui ont... Pour l'instant, il y en a très peu, parce qu'ils n'ont pas compris le dossier. Et Nathalie Pinero est intervenue auprès des jeunes qui passent l'aide au permis, qui passent le permis, pour les informer. Je crois que la prochaine vague, il y aura beaucoup de cathésiens. D'accord. Alors, subvention, on va encore en parler, subvention aux entreprises. Vous avez pris des décisions pour aider les entreprises, aussi bien en création, mais également en développement. Oui, alors les grosses entreprises, c'est des aides souvent à l'investissement, hors bâtiment, parce qu'on ne finance pas les SCI. C'est surtout des aides sur l'outil de production, l'outil de travail. Là, on intervient, ça dépend de la nature, c'est des critères, c'est une colonne. Et si on intervient, la région peut intervenir. Pour que la région finance, il faut que l'agglo cofinance en premier.
Donc on a fait plusieurs aides. Après, on a fait beaucoup d'aides aux PTE, aux PME et aux artisans. Ça, c'était important. Et je pense que commerçants, vous avez vu que, par exemple, au Cateau, il y a 5 commerçants qui ont reçu des aides. Alors, je vais dire dans n'importe quel ordre, hein, mais on va de 25 à 30% en moyenne. Oui, il y a les digues qui doivent ouvrir un hôtel-restaurant au Cateau, rue des digues. Hein, vous avez le toilettage Canin, vous avez la renommée chez M. Fossé, vous avez les clubs de moto, David Hockey, sa société, et vous avez l'opticien Prébion qui est venu s'installer rue Jean Jaurès. Voilà. Mais vous avez décidé également d'aider les villages, oui, avec différents volets. Alors, les villages établissent des projets sur lesquels on peut intervenir en fonds de concours, selon des règles bien précises. En général, on peut aller jusqu'à 50%. Hein, au fonds de concours, on ne peut pas aller au-delà, mais on verse des sommes pour des communes, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros, c'est quand même conséquent pour aider à un projet. Donc il y a beaucoup de villages qui nous appellent et qui reçoivent des fonds de concours qui leur permettent d'améliorer le cadre de vie, leurs écoles, tout ce qu'on peut imaginer, c'est assez souple. Et après, il y a un droit de tirage, c'est pas tous les réunions de conseil communautaire, hein, c'est une enveloppe pour elle avec un droit de tirage bien cadré, quoi. Et pour terminer, je sais qu'on a parlé beaucoup d'hectares. L'avenir, c'est important de garder des hectares pour la construction aussi bien de l'habitat que pour l'économie. Oui, alors l'avenir, c'est la loi ZAN, c'est zéro artificialisation des sols. C'est, la loi dit qu'il faut protéger les terres agricoles. Mais la loi dit qu'il faut aussi accorder au minimum à chaque commune un hectare, qui peut être pour de l'économie ou pour... du logement. C'est peut-être pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour certaines comme les villes, mais c'est beaucoup pour des villages. Oui. Un hectare, c'est un peu plus grand qu'un terrain de foot, hein, quand même. Puis après, il suffit pas, il faut avoir le promoteur et arriver à vendre. Donc là, c'est une réflexion au sein du pays sur le ZAN, alors, et qui va venir à la région, dans le cas d'un Strades, schéma régional, où on doit avoir jusqu'à 2050 des quotas. Mais les sénateurs ont fait passer cet amendement qui assure au minimum pour nos 46 communes, logiquement 46 hectares, sauf s'ils ont déjà construit en 2021. Là, on l'enlève. Et ça, nous, à répartir après, en plus d'autres répartitions, ces hectares à l'avenir. Mais pour l'instant, le ZAN n'est pas opposable dès lors qu'il n'est pas voté. D'accord. Donc. Et on aura 40 hectares en sus pour le port de Marquion en développement, puisque c'est des projets suprarégionaux comme un existe à Dunkerque, quoi. Voilà. Très bien. Bon, la réunion s'est bien passée, finalement. C'est bien passé, ça se passe bien. Il y a toujours un espace de dialogue, d'échange. Bon, il y a des nuances à apporter chez Pierre, Paul, Jacques, mais c'est la vie de tous les jours. Mais dans l'ensemble, il y a une cohésion de l'équipe, c'est ça le principal. Parce que quand on est divisé, on ne peut pas aboutir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent. Puis merci aussi à Claude d'être toujours là. Alors, Alexandre, on a appris une excellente nouvelle aujourd'hui. Donc, actuellement, les gens qui nous regardent, tu t'occupes beaucoup au niveau de la communauté d'Aglo de tout ce qui est logement. Hein, tu as un rôle important. Et puis, tu as travaillé vraiment sur les projets. Mais aujourd'hui, tu nous as appris une nouvelle comme quoi tu allais être sénateur. Ah, c'est pas moi qui l'ai... C'est le président. Oui, effectivement. Éric Bocquet quitte son mandat sénatorial au 1er novembre. Et j'étais celui qui, sur la liste, succédait. Donc, je monte d'un cran et je deviens effectivement sénateur début novembre. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Mais toujours avec cette envie de faire pour les habitants et pour le territoire du Cambrésis, c'est essentiel. J'étais très heureux, moi, en tant que maire d'Avesnes-Auberge. Je l'ai été 10 ans. J'étais réélu en 2020. Et depuis 10 ans, je suis aussi vice-président au logement ici à la CA2C. J'ai eu cette formidable chance de pouvoir profiter de l'expérience de tous mes collègues maires. Et maintenant, je vais porter toutes ces aspirations auprès du Sénat. Donc, comment ça va se passer au niveau de la mairie? Alors, au niveau de la mairie, on y travaille. Hein, on va faire une transition sereine, dans la continuité. On attend les allers-retours qui vont avoir lieu avec la préfecture. Je ne peux pas en dire plus. On n'a pas Bien toutes sûr. Les modalités. Moi, je vais rester maire tout le temps que je pourrai rester maire. Et après, on fera la transition sereinement. Oui, parce qu'on ne peut pas être maire et puis sénateur. On ne peut pas avoir de mandat. Depuis 2017, effectivement, on ne peut plus cumuler le mandat d'un exécutif local avec un mandat parlementaire.
Bon, c'est, voilà, c'est un peu dommage. C'est dommage et en même temps, voilà, ça me libère pour être pleinement efficace au Sénat, même si je continuerai à être présent ici sur le territoire et j'ouvrirai une permanence d'ailleurs sur la ville de Cambrai. Voilà, d'être présent pour les habitants et essayer d'avoir toujours ce lien permanent avec ce territoire qui m'est profondément cher. Eh bien, bon courage et puis on aura sûrement l'occasion de se revoir. On se reverra. Merci beaucoup. Faux conseillers bancaires, influenceurs mal intentionnés, offres de crédit mensongères, aujourd'hui les arnaques financières au téléphone, par SMS ou sur Internet se multiplient. Cette campagne de prévention intitulée « Le faux conseiller bancaire » va vous informer et vous donner les moyens de vous prémunir contre ce type d'arnaque. Téléphone, mail, réseaux sociaux, aujourd'hui nous sommes tous confrontés à des tentatives d'arnaque. Alors peut-on éviter de se faire avoir? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Est-ce que vous avez quelques minutes pour faire un petit jeu de rôle? Oui, si vous voulez. Nous allons faire une petite simulation. Ouais. Je vais vous passer quelqu'un au téléphone et vous allez me dire si c'est un vrai ou un faux conseiller bancaire. Ok. Donc je vous demande de répondre. Allô? Bonjour, Madame Martin? Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Dupont? Oui, absolument. Oui, c'est moi. Alors, je me présente, Madame Letellier, je travaille au service antifraude de votre banque. Je vous appelle car notre système antifraude a détecté des mouvements suspects sur votre compte bancaire. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien en vacances en Lituanie? Ah non, pas du tout. Non, je suis pas en vacances en Lituanie, non. Ah, j'imagine que vous n'êtes donc pas à l'origine d'un paiement de 3 500 €? 3 500 €? Non, absolument pas. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que vous êtes victime d'une arnaque. Mais je vais vous aider à annuler cette opération. Je dois d'abord vérifier votre identité. Vous êtes bien Monsieur Arnaud Dupont, né le 19 mars 1982 à Nice. Oui. Vous êtes bien Madame Sophie Martin, née le 11 mai 1976 à Bordeaux. Oui, c'est moi. D'accord. Et votre numéro de carte bancaire se termine bien par 0325? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, vous allez donc recevoir une notification sur votre application bancaire pour annuler l'opération suspecte. Et vous devez absolument saisir vos codes pour valider l'annulation du paiement de 3 500 €. Pas de problème. D'accord, mais non, je vais pas le faire. Alors, arnaque ou pas arnaque? Bah, arnaque totale. Non, pas arnaque, parce que déjà, ils m'ont demandé mon adresse, le code. Elle avait mon numéro de carte. Bah oui, arnaque. Et oui, c'est bien une arnaque. Les escrocs multiplient les appels téléphoniques, sachez-le. Ces faux conseillers peuvent récupérer vos codes bancaires lorsque vous remplissez un formulaire sur Internet sur un site malveillant. Attention aussi lorsque vous cliquez sur un lien dans un email ou un SMS. Aucun salarié d'une banque ne vous demandera jamais des données de connexion, la validation d'une opération sur votre application de banque en ligne, ni un code d'authentification reçu par SMS. Il ne vous demandera jamais non plus de faire un virement vers un autre compte pour, soi-disant, récupérer vos fonds. Ne communiquez jamais vos données bancaires. Soyez donc vigilants et pour plus d'informations, rendez-vous sur abe-infoservice.fr. Et maintenant, place au bref. Vous avez toujours voulu visiter les souterrains et découvrir les trésors enfouis du Cateau? Laissez-vous surprendre par les galeries héritées d'une histoire millénaire et les nombreuses cavités qui forment un réseau très dense sous le centre-ville les samedis 2 et 16 novembre prochains à 14h. La visite dure 1 heure et est au tarif unique de 7 €. Elle est néanmoins déconseillée aux enfants de moins de 7 ans. N'oubliez pas de réserver vos places au 03 27 84 10 94. C'est ainsi que se termine cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur notre site officiel, notre page Facebook et notre compte Instagram Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un inquiétant Halloween, mangez plein de bonbons et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye !